Eh bien, je me présente, Brummel, 2544. 74 ans. Je suis belge, mais je me soigne. Ah, Belgien, got talent, Belgium got talent. Mais je dois vous signaler qu'il y a 50 ans, j'étais tout jeune, je suis venu à un grand concours sur RTL qui était le Grand Prix des variétés. Et maintenant, je reviens 50 ans après. Enfin, j'ai chanté toute ma vie et je reviens pour essayer de me faire connaître un peu plus. Je faisais des imitations, ma biche. Tout seigneur. Oh mon Dieu, j'ai chanté comme Luis Mariano. Et Aznavour, et... Ah, que je t'aime bien, ouais. Hein? Eh, comment ça va, tu viens, que je vais chanter? Fais-moi une belle grosse tête, là. Seigneur, dit que Fernandel, mon Dieu, oh que c'est bon. Monsieur Robert. Bonjour, bonjour. Enchanté. Bonsoir. De même. Je passe au micro, là. Allez, on y va, c'est on vous attend. On vous attend. Ça va. Soyez le bienvenu. Bonsoir. Bonsoir. Et alors, vous appelez comment? Brummel. Et dites-moi, sans indiscrétion, vous avez quel âge? Je vais arriver à 74 ans. Bravo. J'ai mené la revue quand j'étais jeune aux Folies Bergères, j'avais des cheveux. Formidable. Mais je ne suis pas tellement connu en Belgique, voyez-vous. Non, et je suis belge. Seigneur, mais je me soigne. Et de où en Belgique exactement? Je suis né à Malmedy et j'ai fait toute ma jeunesse à Namur. Et là, vous vivez où? À Mons, mais j'ai une petite amie qui habite Jauge. Elle est plus jeune que vous? Oui. Pas tellement. Hein. D'accord. Eh bien, allez-y, faites ce que vous avez à faire. Che bella cosa, una giornata e sole, un'aria serena dopo una tempesta, e l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa, una giornata... Il è beau, lui, eh? De sole, mamma. De sole, più bello di me. Oh, sole mio, sta in fronte a te. Tu vuoi chanter con me? Oh, sole. Oh, sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. What I feel for you with your smile so tender, my heart was captured, I so surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you need, the time is here, at least it's no ever. Come hold me tight, kiss me, my darling, before I say goodbye. Tomorrow will be too late. It's not ever, my love and way. It's not ever. My love and pain, it's not ever. My love and pain, it's not ever. My love and pain.
C'est américain, ça. Merci beaucoup. Ce que j'ai adoré, c'est votre décontraction. D'être à l'écoute de votre public, c'est malgré... Voilà, c'est ça, c'est la bouteille. Je veux dire, vous avez fait des kilomètres de scène avant d'arriver ici, ça se sent, ça se voit, et vous nous avez fait du bien. J'ai trouvé ça très, très bien. Ça prouve que la valeur n'attend pas le nombre des années, et que vous avez ramé certainement dans votre vie. Je vois ça, je l'ai senti. Vous êtes un grand maître et je suis sûr que vous êtes un très grand imitateur et que vous allez encore faire une très grande carrière après 74 ans. Merci. Voilà. Moi, je voulais vous dire, c'est drôle parce qu'on a vu monter, on a vu rentrer sur scène, je vais être franche, hein, un vieux monsieur que je trouvais pas particulièrement sexy ni quoi que ce soit. Hein. Et c'est drôle parce qu'au fur et à mesure que vous avez chanté, vous avez rajeuni. À mon avis, vous, là, vous avez perdu 10 ans. En 2 minutes, vous avez perdu 10 ans au moins. Et ça, c'était bon à voir. Et c'est là où on sait qu'on fait un métier magnifique, là, nous tous qui faisons ça. C'est qu'on peut être malade, on peut pas être en forme, on est sur scène et il se passe un truc de magique. Et ça s'est vu aujourd'hui et c'était bon. Moi, je dis oui. Merci. Je vais laisser Maureen conclure. Hein. Donc, pour moi, c'est oui. Merci. Quoi qu'il arrive, vous avez... Oh ben oui, évidemment. Au revoir, à bientôt. Vous nous avez régalé. Merci. Vraiment, vraiment. Alors... Moi, j'ai tendance à être comme vous, un peu cabot. Et donc, je comprends très bien ce que vous vivez là. Et, et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Vous avez dit un truc très vrai, vous avez dit « it maintenant ou jamais ». Je ne sais pas si ce sera maintenant, mais à partir de maintenant, je suis sûr d'une chose. C'est que ce ne sera pas jamais. Merci. On se voit vite ? Oui. Merci beaucoup. Félicitations. À très, très vite. Merci. Par là. Merci, Robert. Alors, depuis combien de temps et comment est arrivée cette passion justement pour le chant ? Allez, racontez-moi tout. C'est une famille d'artistes chez moi. Hein. Mais enfin, et à 9 ans, je suis sorti d'un film, peut-être de Mariano Tino Rossi, je ne pourrais plus dire quoi, et je me mets à chanter. Ma mère dit comment je chante. Une hésitation. J'ai reçu, crac, RTL, enfin de vous faire connaître. Je dis, tu as aimé Crif, et puis crac, j'ai vu votre talent. Ouh là là, je me dis encore des trucs comme X Factor ou comme Nouvelle Vague, coaché par des gens. Alors, et puis je me suis décidé. Je me dis, ça me ferait plaisir si on pouvait faire, si j'avais la chance, de terminer en beauté, donner ma révérence. Racontez-moi cette journée avant de monter sur scène. Des impressions, des émotions, des vécus. Épuisante. Bref. Épuisante. Ah oui, parce que là, une chaleur là-dedans. Bon, bah, vous répondez, tout le monde filme, on interviewe tout le monde. Et puis, ça, c'est encore rien, ça. Mais alors, moi, je suis plus jeune quand même, faut être logique, hein, ma vie. J'étais plus jeune. Non, mais il faut le faire, merde alors. Hein, à mon âge, 73 ans et demi, faut y aller. Eh bien, sur scène, je me sens un peu comme chez moi. Que je le dise moi-même, vous savez, une fois que j'ai senti le public, là, le jury, je ne sais pas. Ça, c'est toujours, on ne peut pas plaire, hein, qui aime bien le lyrique, une autre qui fait de la chanson, du théâtre, un autre qui fait de la magie, je ne sais pas, les goûts. On ne peut pas plaire à tout le monde. Personne ne plaît à tout le monde. Même les plus grandes vedettes ne plaisent pas à tout le monde. Alors, risquer 3 personnes là. Hein. Et puis, je venais d'entendre le jeune, un triomphe, le petit gamin de 6 ans. Je me dis, non, des dieux, hein. Alors, côté performance, satisfait ou oui, oui, des petits bémols ont été... Non, il me l'a dit, là, votre accent italien, moi, je suis phonétique italien, hein. Oui, voilà, mais il faut bien qu'ils disent quelque chose. Et le public, il a réagi comment après très ça? Très bien, très bien. Standing ovation? Oui, oui, oui. La totale. La totale. Est-ce que vous avez été buzzé une seule fois ou est-ce que le risque d'être buzzé vous a un petit peu freiné en disant, ils vont pas me laisser aller jusqu'au bout? Non. Ah, mais j'ai eu peur quand même, hein.
Mais j'ai entendu, je me dis non, c'est juste si je ne plais pas. Mais enfin, ça m'étonnerait. Je me suis dit, alors là, c'est la fin des haricots. Là. Je pense qu'ils aiment un petit peu la confiance en soi aussi. Ouais, mais on me disait 2 minutes. Mais un jongleur, il jongle pendant 2 minutes. On voit ce qu'il fait. Mais un type comme moi qui fait un peu tout, qui fait tout, qui fait des imitations, qui fait de la composition, qui, voilà, qui chante du lyrique, qui chante, qui interprète des chansons, n'importe quoi comme chanson. Si j'ai le texte, parce que maintenant, hein, mais si j'ai le texte, j'en chante 150, hein, vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, je remercie tout le monde, tous les techniciens d'ailleurs, tous les techniciens, tous ceux, ils doivent souffrir aussi, je vous dis moi, hein, tous ceux qui filment, qui portent les bazars, qui changent de place à chaque fois pour filmer les gens, parce qu'il y a du monde quand même. Et il y a 17 personnes, il y a 180 ou 190 personnes sélectionnées déjà. Maintenant, il y en aura je ne sais pas combien. Mais je remercie donc ces gens, Golden Talent aussi, la direction bien entendu, le jury, et Julie Taton et Zeka qui m'a fait plaisir, parce que ce qu'il m'a dit, ça m'a touché, j'en avais les larmes aux yeux. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Ouais, je ne sais pas si je peux le dire. Allez-y. De toute façon, on coupera au montage au pire. Oui, ouais, voilà. Il m'a dit, écoute bien, on voit bien que tu as du métier, qu'il m'a dit. Hein. Un peu comme moi, on voit qu'on est un peu cabot. Voici Robert Brummel. Madame, I give to you more than she has for you. Ma flamme, je suis fou de vous. Nous nous sommes connus à Trafalgar. Nous nous sommes revus dans le brouillard. Nous nous sommes bien plus, mais je m'égare. Excuse me, I don't speak English. Moi je vous ai tout dit de mes déboires. Moi je vous ai promis la belle histoire. Moi je vous ai blanchi la marée noire. Excuse me, I don't speak English. Yes, I love you. Madame, yes, I love you. Madame, moi ce que je vous demande, c'est de l'amour. Vous et moi c'est Roméo et Juliette. Vous et moi c'est parfait sans interprète. Vous et moi c'est gagné in the pocket. Excuse me, I don't speak English. Moi je vous ai tout dit de mes déboires. Moi je vous ai promis la belle histoire. Moi je vous ai blanchi la marée noire. Excuse me, I don't speak English. Yes, I love you, madame. Yes, I love you, madame. Moi, ce que je vous demande, c'est de l'amour. Robert Brummel et les danseuses, j'allais dire ces danseuses, et les danseuses d'Anna Grioli. Elles sont belles, hein? Elles sont très très belles. Maureen. Eh bien, vous voyez, rien que pour ce que vient de nous faire Robert, pour la joie qu'il a dû connaître, là, maintenant, pendant 2 minutes, avec ces belles donzelles autour de lui, je suis contente que Belgium's Got Talent existe. Parce que voilà. Avis, hein. C'est... La joie. Vous avez dit... Ouais, mais vous avez... pas vu. Non. Vous avez dit dans le reportage que c'était votre dernière chance. Ben, c'est une belle dernière chance quand même. Et puis c'est le public qui décidera si c'est votre dernière chance ou pas. On verra, oui, on verra. Bonne chance en tout cas. Alors, Paul. Il est cabot, vous applaudissez. Il est cabot, mais il est comme ça. Allez, venez ici. La valeur n'attend pas le nombre des années, il l'a dit. Et comme tout Stillemans, Henri Salvatore, Marcel Amont, donc il a encore beaucoup de kilomètres qu'il peut
faire. C'était pas mal, il a surtout suivi mon conseil, il a chanté en français, bien que le titre était en anglais, et ça, votre anglais, il faudra revoir. Il le dit, il le dit, vous avez entendu la chanson. Il le dit, excuse me, I don't speak English. Oui, j'ai entendu ça. Et il a eu son moment de gloire avec les girls, c'était formidable. On se croyait aux Folies Bergères. Belgium Got Talent, c'est les Folies Bergères, c'était aussi très bien. Et il met une très bonne ambiance, c'est très sympathique. Mais est-ce que ça suffit pour on être verra la star? On fait pas que that's ça the question. Carlos. Alors, Robert. C'est à mon tour, Robert. Robert, l'amour, c'est un moteur. C'est le moteur principal de la vie. Alors, quand vous dites c'est ma dernière chance, moi, j'y crois pas. Même si vous n'allez pas en finale dans cette émission, il y aura d'autres chances qui vont s'ouvrir à vous grâce à votre passage ici. Peut-être pas d'aussi belles gonzesses avec des plumes dans les cheveux, mais en tout cas, aussi. Alors on a compris que la saison du gibier à plumes était ouverte. Hein, ouais. Ça, c'est clair aussi. Merci beaucoup. Robert Brummel, mesdames et messieurs. Merci, au revoir.